Bonjour. Alors aujourd'hui, on va reparler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez, je l'ai mentionné maintes fois, c'est l'hygiène intestinale. Quand on voit ce que l'on peut sortir de notre gros intestin par des pratiques très simples que je vais vous montrer aujourd'hui, on comprend qu'il vaut mieux vraiment se débarrasser de ces matières accumulées. La plupart des gens ont plusieurs kilos de matières qui stagnent dans le gros intestin et qui sont en putréfaction, en décomposition, et qui nous empoisonnent véritablement l'organisme. Aujourd'hui, on voit de nombreux livres sortir qui expliquent que le côlon est un organe important, c'est le deuxième cerveau, c'est un organe réflexe. Donc, moi, je suis convaincu que un côlon propre et sain, c'est la base de la santé. C'est une des bases de la santé, c'est très important. Donc, la dernière fois que j'ai parlé de la planche ColonNet dans une vidéo, c'était il y a 10 ans. Et donc le moment est venu de vous refaire voir un petit peu cet outil formidable qui va vous permettre, chez vous, dans l'intimité de votre maison, de faire vos propres irrigations en profondeur, de nettoyer votre côlon sans être obligé d'aller chez un praticien qui parfois n'existe pas, parce qu'il n'y en a pas énormément en France, il n'y en a pas dans toutes les villes, toutes les régions. Voilà. Et puis on n'a pas toujours envie non plus d'aller faire voir son derrière à un inconnu, même si, je le répète, ils font ça très bien. Ce sont souvent des naturopathes qui vont vous donner des conseils, qui vont vous accompagner dans votre démarche de santé. Donc, si vous avez les moyens, ça coûte un peu d'argent, bien sûr. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à aller consulter un praticien en hydrothérapie du côlon. Il ne s'agit pas de dire la planche c'est bien, les praticiens c'est mal, ou le contraire. Non, ce sont des possibilités tout à fait complémentaires. Donc l'avantage par contre, parce qu'il y en a quand même, il y a des avantages d'aller chez un professionnel, mais il y a des avantages aussi de faire ça chez soi avec la planche ColonNet, c'est que si vous faites ça chez vous, vous allez véritablement pouvoir récupérer et voir les matières que je vous présente à l'écran grâce à tout simplement une vieille passoire que vous allez mettre dans les WC et dans laquelle vont tomber ces matières. Parce que chez un professionnel, on ne les voit pas, on les voit rapidement en une seconde passer à travers un tuyau transparent. Mais je trouve très intéressant d'observer ce qui est sorti de notre corps, parce que des gens y trouvent des choses les plus improbables, des graines de fruits exotiques qu'ils ont mangées 40 ans plus tôt lorsqu'ils faisaient le service militaire sous les tropiques, où un monsieur a récupéré une bille qu'il avait avalée dans la cour de l'école quand il était gamin. C'est absolument incroyable. Le gros intestin n'est pas un tube de PVC lié aux parois lisses et droites, et tout ce qui passe par notre bouche ne ressort pas nécessairement par notre anus. Donc de temps en temps, il est bon de faire un grand nettoyage de printemps ou d'hiver quand vous voulez. C'est comme dans une fosse septique, parce qu'effectivement, notre côlon est un cloaque. Dans une fosse septique, de temps en temps, il faut la récurer, il faut appeler le camion, enfin voilà, il faut s'occuper de ces choses-là, parce que une maison ne peut pas être saine si on ne prend pas soin de l'évacuation des eaux usées. Eh bien, le corps humain, c'est pareil. Donc cette passoire, vous la gardez de côté hein, pour pas l'utiliser pour les nouilles, mais vous la consacrez à cet usage et ça vous sera très pratique. Donc une fois que vous êtes allé découvrir la sensation, que vous avez fait l'expérience du nettoyage intestinal chez un professionnel, eh bien vous pouvez décider d'acquérir cette planche ColonNet. Donc qui est livré dans un carton qui ressemble à ça. C'est très simple, hein, on livre partout à l'étranger, dans de nombreux pays. Et elle est livrée avec tout ce qu'il vous faut pour commencer une séance dans les minutes qui suivent. C'est-à-dire que vous avez la planche ColonNet, on va la placer sur les toilettes dans les images qui vont suivre après dans cette vidéo.
Vous avez votre jerrycan qui est préparé avec la connexion et tous les tuyaux dont vous allez avoir besoin. Ici, il y a un petit robinet qui vous permet d'interrompre l'écoulement de l'eau propre qui rentre en vous. Donc, vous faites ça à votre rythme, comme vous voulez. La planche colonnette est livrée avec deux canules rectales. Ça permet à des couples d'avoir chacun sa propre canule. Bon, franchement, les canules, elles ne sont pas sales. C'est beaucoup d'eau qui passe à travers. Et en plus, on peut très bien les nettoyer. Mais bon, vous avez déjà deux canules. Et après, vous pouvez en acquérir d'autres, bien sûr. Et vous avez un mode d'emploi détaillé qui vous permet vraiment d'installer chez vous votre centre privé de détoxination et de nettoyage intestinal. Voilà, donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer dans la salle de bain comment vous, très simplement, vous allez installer cette planche, le bidon et vous préparer à vous nettoyer le côlon. Donc, vous êtes dans votre salle de bain. Vous prenez votre jerrycan, vous le remplissez très simplement, alors que ce soit un robinet avec un bec assez haut, ou sinon la douche, vous dévissez le pommeau de la douche, et vous remplissez votre jerrycan. Voilà. Si vous avez le temps de faire une séance complète, vous le remplissez de 20 litres d'eau. Si vous voulez faire un petit nettoyage rapide, vous y mettez 5 litres, 10 litres, ce que vous voulez. Alors bien évidemment, la température est réglée de façon à ce que l'eau soit tiède, enfin un petit peu chaude quand même, parce que le temps que vous l'installiez, tout ça, elle aura encore baissé de température. Vous n'avez pas besoin de thermomètre, si vous ne vous brûlez pas le doigt, vous ne vous brûlerez pas le côlon non plus. Hein. Donc, une eau à peine chaude. Et c'est pas grave si à la fin de la séance, l'eau est plus froide, parce qu'au contraire, ça provoque des réactions péristaltiques différentes et le côlon s'adapte parfaitement. Hein. À partir du moment où elle n'est pas glacée, ça ira très bien. Nous voici maintenant dans la salle de bain avec les WC. Idéalement, effectivement, si vous avez des WC séparés, il faut calculer que lorsque vous êtes assis, pour pouvoir installer une planche colonnette dans des WC, le test c'est lorsque vous êtes assis sur vos WC, si vous n'avez pas la tête contre le mur d'en face, eh bien vous aurez la place de installer une planche colonnette. Parce que vous verrez après, on verra la dimension, la planche elle va arriver à peu près jusqu'ici. Donc dans l'immense majorité des configurations, des dimensions de WC, vous pourrez installer une planche colonnette et vous allez voir tout de suite. Donc il y a deux choses dont vous aurez besoin, c'est d'une chaise, n'importe quelle chaise, enfin on verra, il faut qu'elle soit à peu près à la hauteur de la lunette des WC. Et d'une étagère, vous voyez qu'après avoir rempli mon bidon, je l'ai posé sur une étagère. Alors moi j'ai la chance d'avoir une étagère toute prête, puisqu'avec ces WC suspendus, le mécanisme étant là-dedans, j'ai pas eu besoin d'inventer autre chose. Mais franchement, chez vous, vous allez pouvoir bricoler une étagère assez solide qui puisse quand même soutenir 20 kg de poids. Maintenant, rien ne vous empêche de faire une séance en deux fois 10 litres, vous re-remplissez vous levez, il n'y a aucun inconvénient. Et vous pouvez vous lever à tout moment au cours d'une séance, ne serait-ce que pour faire des séances de yoga un petit peu, des torsions du buste, des massages intestinaux que vous pouvez aussi faire lorsque vous êtes allongé sur la planche. Si vous êtes dérangé, il n'y a aucun inconvénient à extraire la canule et à reprendre la séance plus tard. Mais tout ça, c'est expliqué. Je vous décris tout ce qui est marqué dans le mode d'emploi. C'est détaillé précisément. Donc,
prenez soin de fermer votre robinet. J'installe la chaise. Je pose la planche. Alors, je pose la planche sur les WC après avoir relevé. Comment ça s'appelle ça, la lunette, quoi, le siège. On pose la planche sur la céramique des WC. Maintenant, pour fignoler et pour le confort maximum, vous mettez une serviette pliée plusieurs fois sur la planche, ou si vous avez des galettes de mousse, enfin voilà, tout ce que vous voulez fera l'affaire. Vous mettez un bon oreiller et là vous êtes prêt à vous allonger sur la planche. Je vais vous faire voir comment. Ah, j'ai oublié quelque chose, c'est d'installer ma petite passoire, parce que moi je suis curieux de savoir ce qui sort de mon corps, et cette passoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de récupérer les matières. Très simple, hop, vous la glissez dans les WC et voilà. Donc il ne reste plus qu'à brancher votre tuyau qui va amener l'eau propre du jerrycan jusqu'à votre canule rectale. Donc d'un côté, voyez ce cône là, il est parfaitement adapté à ce tuyau. Un petit peu de pression et ça tient parfaitement. Là, voilà, il y a un peu de pression là aussi. Après, il n'y aura pas de pression et l'eau qui va couler. Donc assurez-vous que dans un premier temps, ce robinet soit fermé, angle droit, vous voyez. Et de l'autre côté du tube, vous allez connecter votre canule rectale. Donc elle a un embout conique qui permet précisément d'insérer le bout du tuyau. Voilà, cette canule va passer par le trou de la casquette, on appelle ça la casquette de la planche, hein. Et puis, lorsque vous serez allongé, cette canule va rentrer dans votre anus. Une fois que vous aurez, bien sûr, lubrifié un petit peu l'anus avec la vaseline naturelle dont je vous ai donné la recette dans une vidéo que je vous recommande d'aller voir, parce qu'effectivement, les vaselines à base de produits pétroliers, c'est pas formidable pour la santé, hein. Toutes les vaselines du commerce, enfin de la grande distribution en tout cas, sont des vaselines à base de dérivés de pétrole. Alors qu'il est très facile de faire ça avec la recette que je vous ai montrée par ailleurs. Franchement, une toute petite goutte de vaseline sur l'anus et sur la pointe de la canule suffira pour que la canule s'introduise parfaitement dans un anus, puisque vous voyez que la canule qui est livrée avec la planche colonnette est très fine, très flexible. Vous pouvez la rentrer, l'introduire de 10-15 cm dans le rectum. Hein, c'est la partie qui est droite, la partie terminale qui est droite du gros intestin. Et on n'a jamais, jamais, jamais entendu parler de perforation du côlon avec des canules rectales. Ça a arrêté. Je sais qu'il y a des gens qui inventent des histoires abracadabrantesques. Il n'y a aucun danger à introduire une canule comme ça dans un côlon. Donc vous voyez, je fais le test d'ouvrir les robinets. J'ouvre le robinet ici. Je vois déjà l'eau qui commence à couler ici. J'ouvre le petit robinet de ce tuyau. Et une fois que l'air sera éliminé, là je vois que ça coule par transparence. Je vois que ça coule. Et voilà. L'eau coule à l'extrémité de la canule et donc elle est censée rentrer en vous. Alors en attendant, une fois que l'air est éliminé, je referme mon robinet.
Ceci dit, franchement, ça n'a aucune importance s'il y a un peu d'air qui rentre dans votre côlon, vous allez l'éliminer aussi rapidement. Hein. Donc voilà, c'est pas comme une seringue pour une injection, une piqûre intraveineuse, ou etc. Bien, il ne vous reste plus qu'à vous déshabiller. Alors vous préparez une sorte de torchon ou du sopalin que vous pouvez toujours avoir à côté de vous. Bon, je mets ça par terre. Vous vous déshabillez, je ne vais pas le faire, même si beaucoup d'entre vous auraient beaucoup apprécié, certainement. Mais donc, vous vous installez sur... On peut rigoler, non ? Vous vous installez sur votre planche colonnette. Là, vous mettez la chaise à la distance que vous voulez. Vous mettez un peu de musique. Vous mettez un peu de parfum, si vous voulez, un bâtonnet d'encens. Et là, vous êtes tranquille chez vous. Vous avez lubrifié votre anus, vous insérez avec deux doigts, hein, franchement, avec deux doigts, vous insérez la canule dans l'anus et vous avez à portée de main le petit robinet qui vous permet de contrôler. Vous ouvrez l'arrivée d'eau, vous sentez cette sensation très agréable de l'eau qui rentre en vous. Vous pouvez lâcher ce tuyau, ce robinet, et vous avez tout loisir de vous masser en profondeur. Ça fait parfois glou-glou, hein, vous voyez, vous entendez l'eau qui progresse. Vous pouvez sur votre planche vous pencher d'un côté, de l'autre, pour faire circuler l'eau. Donc l'eau, anatomiquement, elle va passer du rectum au côlon sigmoïde sur le côté gauche. Ensuite, elle va remonter le côlon descendant. Elle va poursuivre sa route le long du côlon transverse. Et si vous êtes adroit, mais vous y arriverez peut-être pas la première fois, mais avec l'habitude, vous arriverez à faire progresser l'eau jusqu'au côlon ascendant et jusqu'à la valve iléo-cécale qui rejoint qui sépare le gros intestin de l'intestin grêle. Donc voilà. Et puis, lorsque vous sentez que vous avez assez d'eau en vous, lorsque vous vous sentez plein, ben à tout moment, vous pouvez interrompre l'entrée de l'eau en vous. Là, vous pouvez respirer un peu, mais en général, si vous débutez dans cet art du nettoyage intestinal, vous aurez rapidement le réflexe péristaltique. Alors là, je suis mal, parce que l'idéal, c'est qu'il faut avoir le dos des cuisses appuyé contre la casquette. Cette casquette permet d'éliminer sans que ça éclabousse partout, vous voyez, dont les matières vont tomber dans les WC. Et je vous assure qu'à la fin d'une séance, la planche, elle n'est pas pleine de matière fécale, non, parce que c'est beaucoup d'eau surtout, et donc elle est surtout un petit peu mouillée, la partie de la casquette intérieure, et c'est tout. Hein. Une séance complète avec 20 litres d'eau, quand on prend son temps, ça peut durer une heure et demie, vous savez. Parce que chez la plupart des thérapeutes, je vais peut-être me redresser pour vous parler en face. Hein. Vous voyez que c'est stable, hein. Franchement, ça ne bouge pas. La planche est conçue pour des gens très très lourds. Il n'y a aucun risque. Il faut quand même que la chaise que vous allez utiliser soit stable et soit solide. Donc, si parfois vous éliminez des matières, ça arrive souvent, c'est le but. Si vous éliminez des matières un peu volumineuses, la canule va être expulsée. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les matières sont éliminées autour de la canule. Un professionnel utilise une canule à double voie, c'est-à-dire que c'est une canule qui est grosse comme le pouce, et les matières fécales passent à l'intérieur de la canule. Et moi, je sais que parfois, il n'y a pas trop de place, hein, et donc la canule, elle a une voie assez importante pour éliminer les matières, et elle a une petite arrivée latérale pour l'eau propre. Donc, nous, c'est pas le cas. Les matières s'éliminent en distendant l'anus, si vous voulez, autour de cette canule qui est très fine. Mais parfois, effectivement, comme je le disais, la canule est éliminée. Et ça vous prend 2 secondes pour la réintroduire avec deux doigts.
Hein? Et après, vos doigts sont un petit peu mouillés. Franchement, il n'y a pas de matière fécale, parce que je sais qu'il y a des gens, après ma vidéo sur le papier hygiénique, je sais qu'il y a plein de gens qui ont exprimé leur dégoût de toucher ce qui sort de leur corps. Non, moi, ça ne me dérange pas. Les matières fécales, ça se nettoie très facilement. C'est pas gras. Il y a pratiquement pas de gras. Bien. Vous replacez la canule et vous reprenez votre séquence. Alors, il y a beaucoup de tuyaux, mais ça vous permet de mettre le jerrycan plus ou moins haut. Il faut savoir que les appareils qu'utilisent les professionnels, ils contrôlent la température, la pression. Alors moi, mais ils n'ont pas le choix, parce que ce sont des entreprises, des industriels qui créent ces machines qui coûtent très cher. C'est la raison pour laquelle une séance chez un professionnel coûte assez cher, entre 70, 100, 120 euros dans certaines capitales européennes. La séance. Mais on n'a pas besoin de machine pour contrôler la pression. Parce qu'une fois que l'eau a passé l'anus, il n'y a plus de pression. Il ne faut pas croire que les machines des professionnels, ce sont comme des karchers qui vont ramoner le côlon. Non, non, surtout pas. Ça permet juste d'avoir la pression nécessaire pour arriver jusqu'à l'anus. Et donc, notre système avec une gravité naturelle, à partir de 1,50 m de haut. Voilà, c'est à peu près ça, mais vous pouvez le mettre plus haut. Vous voyez, j'aurais pu le mettre là-haut, puisque j'ai une étagère ici plus haute. Mais ça suffit. On a vu que l'eau s'écoule parfaitement. Voilà, il n'y a pas de pression, mais il n'y a jamais de pression. Il ne faut pas qu'il y ait de pression plus que celle nécessaire pour amener l'eau à la porte du côlon, et la porte, c'est l'anus. Voilà, quant au contrôle de la température, je l'ai déjà dit tout à l'heure, franchement, si vous ne vous brûlez pas le doigt, vous ne vous brûlez pas le côlon. Vous pouvez faire des séances d'irrigation du côlon avec une eau froide, vous pouvez essayer, ou avec une eau tiède, avec une eau plus ou moins chaude, mais jamais, jamais bouillante, bien sûr. Voilà, écoutez, je vous encourage à essayer. Cette planche colonnette coûte un peu d'argent, mais elle coûte beaucoup moins cher que ce que pourrait vous coûter la maladie, les séjours à l'hôpital, les chirurgies du côlon, etc., etc. C'est un investissement unique, c'est à peu près 300 euros pour toute votre vie. Vous pouvez l'acheter à plusieurs, vous pouvez l'acheter à crédit, vous pouvez la faire acheter par une association, vous pouvez vous la prêter. Elle va vous durer une vie entière, elle ne va pas s'user, elle ne casse pas. Franchement, je ne connais pas d'outil plus efficace et plus pratique pour se nettoyer le côlon en profondeur. Parce qu'à tout moment, vous contrôlez l'eau que vous utiliser. Vous voyez, par transparence, vous voyez très bien l'eau qui va baisser. Vous arrêtez quand vous voulez, hein, lorsque vous en avez marre. Et puis là, vous savez que vous avez utilisé à peu près au moins 15 litres d'eau, puisqu'il en restera toujours un petit peu là au-dessous du robinet. Alors que chez un professionnel, franchement, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'utilisent jamais plus de 3, 4, 5 litres d'eau. Parce que, voilà, ils n'osent pas le dire, mais moi, ils me l'ont dit, effectivement. Alors que chez vous, vous allez facilement doubler, tripler. Quel est l'intérêt d'utiliser beaucoup d'eau? C'est simple. Je donne toujours l'image d'un plat dans lequel vous avez cuisiné des macaronis au four. Si tant est que vous mangiez des macaronis au four, pourquoi pas? Mais moi, de temps en temps, je peux en manger, c'est pas grave, même si je suis a priori crudivore. Eh bien, un plat de macaronis au four, croyez-moi, il va falloir le laisser tremper dans l'eau pendant 24 heures, idéalement, et après, vous allez mettre la paille de fer pour arriver à récurer ce plat. Eh bien, le côlon, c'est pareil, il y a des matières qui ne vont pas s'éliminer avec 2-3 litres d'eau. Et même pas avec une séance d'irrigation par an. Il faut vraiment faire des séries d'irrigation. J'ai vu des gens qui n'éliminaient rien pendant plusieurs séances, jusqu'à ce qu'au moment donné, eh bien, ça se débloque. Et ça me fait penser que, justement, pour aider à décoller les matières anciennes, utiliser du psyllium, pardon, un bon professionnel
Avant de vous recevoir chez lui, il vous dira de prendre du psyllium quelques jours avant votre séance. Parce que le psyllium, c'est vraiment cette matière, ce colloïde qui va humidifier les matières anciennes qui sont parfois sèches. Le côlon, c'est l'endroit où les derniers liquides présents dans le bol alimentaire sont absorbés par l'organisme. Donc en plus on se rapproche du rectum et de l'anus, plus les matières sont sèches. Donc le psyllium va aider à décoller les matières anciennes, et là c'est très intéressant. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions. Souvent, je suis sur les commentaires et je réponds à ceux qui posent des questions. Je vous encourage à essayer l'irrigation du côlon chez un professionnel et après à acquérir d'une façon ou d'une autre. Même, je crois que Nature et Partage accepte des paiements en plusieurs fois. Donc, franchissez le pas parce que, je le répète, un côlon propre et sain, c'est la base de la santé. À bientôt.